Justement, soyons dans le concret de la saison avec vous, Yves Candebord. Vous l'avez remarqué hein, sur les étals, il vient de débarquer. C'est le premier légume primeur. Il y en a ici, tiens, justement, en vente à la ferme bio de Châtenois qui fait magasin paysan. On est dans le magasin paysan actuellement et vous allez nous parler du radis. Un radis fait le printemps, on peut dire, Yves Candebord. Oui, tout à fait. C'est aussi le premier légume qui a été cultivé par l'homme. Ah ouais, ouais. Alors, je vais vous poser une devinette pour commencer. Ah, allons-y. J'aime bien ça. D'où vient l'expression « ne plus avoir un radis » ? Bah, c'est quand on n'a plus de sous, donc c'est quand on a quoi, quand on a tout dépensé, quand on n'a plus de semences de radis peut-être. Alors, tout manger ? Non, alors ça vient des bistrots, voilà, parce qu'à l'époque, on offrait gratuitement les radis dans les bistrots parce que ça stimulait la soif. C'était les cacahuètes de l'époque. Alors donc quand on n'avait pas les moyens de pouvoir manger, on dit j'ai plus un radis, mais j'ai quand même allé boire un petit coup de blanc, parce que j'irai à manger gratuitement. Ah, voilà, c'est ça. Alors, qu'est-ce qu'on en fait des radis roses? Tiens, c'est la saison. Alors, on les mange à la croque-au-sel, bien sûr, avec du beurre. Hein, c'est l'accord parfait, ça. Oui, tout à fait. Alors, moi, ce que j'aime dans ce petit radis rose, qui est le plus commun qu'on retrouve sur toutes nos tables, c'est quand même le laisser entier, parce qu'honnêtement, il est beau. Voilà. Et alors, vous faites une petite préparation alors, à côté. Pour remplacer le beurre, le radis beurre, je prends du fromage de chèvre frais, que j'écrase délicatement, une pointe de piment d'Espelette, un peu de ciboulette, un trait d'huile d'olive bien écrasé, et je trempe mon radis dans mon petit fromage frais, et ça fait un radis beurre un peu contemporain. Belle promesse. Le radis bernais. Alors quand vous voulez en jeter à l'apéro, quand vous voulez un peu, voilà, vous la jouez, oui. Voilà, vous dire, je suis gastronome. Avec les fameux radis noirs, ces radis qui sont très végétales. Oui, c'est la fin d'ailleurs. C'est la fin, très végétale et surtout très humide et piquant. Vous taillez deux fines tranches de radis. Comme un carpaccio. Vous allez prendre soit du thon, soit du crabe que vous allez assaisonner à votre convenance. Vous tartinez sur une tranche de radis votre préparation. Vous remettez une tranche de radis. Et ça vous fait l'apéro, un petit sandwich de radis. Ah, puis c'est chic. Au crabe. C'est joli, c'est noir et blanc avec un. C'est le bistronome chef. L'important, c'est que c'est surtout bon. Alors, il y a un autre radis que vous aimez bien, qu'on n'a pas forcément, qu'on ne trouve pas forcément facilement, c'est le green meat aussi. Hein. Oui, le green meat ou alors le. Qui est vert à l'extérieur. Voilà, vert à l'extérieur ou le red meat, qui est rouge. Ce que j'adore à faire avec ça, c'est faire des pickles. Ah oui, c'est bon ça. C'est vrai que des pickles, c'est toujours agréable, autant en accompagnement d'une terrine, en accompagnement d'une viande froide ou carrément mélangé dans une salade. Et ça, pour la recette, il va falloir aller voir sur europe1.fr parce que j'ai fait des photos et j'ai fait la recette. Et oui, non, mais je vous dis, les 2.0 en 2021, Yves Candebord, l'inventeur, le chef de la bistronomie, allez voir ces pickles, vous les referez. Toutes les recettes de la semaine dernière et toutes les références des produits dont nous parlons depuis 11 heures, vous les retrouverez évidemment sur europe1.fr. Nous sommes avec Édouard Berger.